Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Vendredi 12 juin, et ce, pour la deuxième fois de son histoire, le Parlement camerounais se réunira en congrès. À la demande du président de la République, les deux chambres vont se réunir pour recevoir le serment d'un membre du Conseil constitutionnel, le professeur Joseph Owona, nommé par décret présidentiel le 15 avril 2020. Ceci en conformité avec l'article 14, alinéa 4 de la loi fondamentale. À côté de cela, cette session de juin sera également consacrée à l'examen des textes législatifs, dont l'ordonnance modifiant la loi des finances, l'accueil de nouveaux députés bénéficiant de l'incompatibilité du mandat de député avec certaines fonctions. Mais pour l'opposition non représentée au Parlement, les enjeux sont énormes et ailleurs. Bien que l'article 25 de la Constitution stipule clairement que l'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux membres du Parlement, le professeur Maurice Kamto, dans sa dernière sortie, 1er juin, s'insurge contre toute manipulation, même constitutionnelle, tendant à l'accession à la fonction suprême par des moyens autres qu'électifs. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun dit qu'ils n'accepteront aucune forme de succession de gré à gré à la tête de l'État. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Noufelé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Et session de juin, pourquoi elle cristallise tant les attentions? Pour répondre, essayer de répondre à cette question, nous avons invité en plateau ce soir Joseph René Mboutouzé. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Je dis bonsoir à tous les militants du RDPC, à tous les militants de la section RDPC du Dialogue 3, Moyomo Sala, oui. Et à tous les militants de ma sous-section. Ngwassé. Ok. Joseph René Mboutouzé, qui va, vous l'avez deviné, défendre les couleurs du RDPC. En face de lui, Maître Roland Diao. Bonsoir, Maître. Bienvenue une fois de plus. Bonsoir, Monsieur Otou. Bonsoir, Monsieur Mboutouzé. Bonsoir à vos autres panélistes qui nous rejoindront ouais. En ligne. Bonsoir surtout aux millions de téléspectateurs d'Equinox ce soir, que nous retrouvons toujours avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'honneur. J'aimerais avoir une pensée ce soir pour la famille du journaliste défunt, Samuel Wazizi, et une pensée émue pour toutes les autres personnes qui croupissent injustement dans nos prisons. Vous avez le cas de Paul Chouta, mais vous avez surtout le cas de 15 de nos camarades qui sont encore détenus dans diverses prisons du Cameroun, au rang desquels notre premier vice-président, qui a un courage qui est légendaire, M. Mamadou Mouta, M. Sylvanus Moutaga et tous les autres, à qui j'aimerais à nouveau adresser mes encouragements et mon soutien indéfectible. Voilà, je reste avec vous. Je rappelle que Maître Roland Diou est sur ce plateau pour représenter le MRC et les alliés, tous les alliés, c'est bien cela? Tout à fait. La précision vaut toujours la peine. Parce que nous ne sommes pas dans un combat. Oui. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat, évidemment. Sur le plan formel, il y a effectivement une alliance qui a été nouée, d'ailleurs qui était nouée au moment de l'élection présidentielle, mais qui s'est poursuivie par la suite et qui a débouché sur la mise en place du plan national de résistance. Cette alliance-là, eh bien, c'est le mouvement pour la renaissance du Cameroun, certes, qui peut être considéré comme le tronc central, mais avec un allié principal qui est le mouvement Agir, dirigé, comme vous le savez, par le conseiller
M. Christian Penda Ekoka, mais j'aimerais également avoir une pensée pour toutes les autres forces qui convergent avec le mouvement pour la renaissance du Cameroun, même s'il n'y a pas d'alliance formelle. Je pense ainsi au père du multipartisme camerounais, le bâtonnier Yondo Black, qui par ailleurs est le président d'un parti politique, le MSND, qui est un soutien affiché du plan national de résistance, du mouvement pour la renaissance du Cameroun et du président élu, le professeur Maurice Kamto. Donc il est question dans cette appellation de rappeler qu'il s'agit d'un mouvement qui ne concerne pas que le mouvement pour la renaissance du Cameroun duquel nous sommes militants, mais toutes les autres forces qui convergent, qui ont une convergence de vues avec nous sur cette question-là, dans le souci de voir venir au Cameroun une société, une république nouvelle, le changement que nous attendons de tous nos voeux. Voilà, on va prendre tout de suite la direction de Yaoundé. On nous attend Denis-Emilien Atangana. Bonsoir Denis-Emilien, je rappelle vous êtes le président du Front des démocrates camerounais. Voilà, je reste avec vous, Maître Ndiou, dites-moi. Cette session de juin, comme je l'ai dit, comme c'est intitulé, pourquoi elle cristallise dans les attentions? Parce que les sorties, les deux dernières sorties de votre leader, l'escroc qui a, comme lui-même le dit, qui a quelque chose qui se prépare. Alors, pour répondre directement à votre question, en fait, il s'agit simplement de situer chaque chose dans son contexte. Oui. Chaque année, on sait bien qu'il y a plusieurs sessions, oui, parmi lesquelles la traditionnelle session du mois de juin. C'est un fait qui est aussi vieux que le Parlement camerounais existe. Cependant, il y a que le contexte peut laisser des signes, peut montrer des signes de ce que le calendrier pourrait connaître. Voyez-vous, des mutations qui n'étaient pas prévues ou qui n'étaient pas envisagées avant. Nous sommes déjà dans un contexte qui est, comme vous le savez, marqué par une crise. D'abord une crise post-électorale née de la dernière élection présidentielle avec son lot de fraudes massives et barbares qui a laissé le lit à la contestation post-électorale et la contestation notamment de celui qui est arrivé officiellement deuxième, mais qui a revendiqué sa victoire, comme l'avait fait d'ailleurs en 1992 Nijon Frundi, le chairman. Je veux parler du président élu, le professeur Maurice Kamto. Ce contexte de crise post-électorale aidant, il y a un autre phénomène qui est la crise anglophone qui laisse le pays exsangue, qui nous dépossède de plusieurs de nos ressources, mais surtout de plusieurs vies humaines, parce que c'est un conflit fratricide qui endeuille chaque jour plusieurs familles, que ce soit des populations civiles, nous avons vu d'ailleurs récemment avec le cas de Ngarbou, que ce soit aussi, et malheureusement, les forces de maintien de l'ordre, les forces de défense et de sécurité. Avec ajouté à cela la crise dans l'extrême nord du pays avec Boko Haram, l'insécurité dans l'Adamawa et à l'est, toutes choses qui se combinent à une situation où le président sorti, parce qu'il n'est là que pour avoir perpétré un hold-up électoral, brille plus que par le passé par une absence légendaire en une période de crise sanitaire grave comme celle qui frappe le monde entier actuellement, c'est-à-dire la pandémie du nouveau coronavirus. On voit bien que la vacance du pouvoir peut à certains égards être soulignée. Et dans ce contexte-là, on se rend bien compte que les habitués des coups de force constitutionnels et juridiques peuvent trouver l'occasion de pallier à une difficulté qui se présente à eux, c'est-à-dire celle de faire face éventuellement à la vacance du pouvoir dans un contexte où il faudra probablement solliciter le suffrage universel.
ces personnes-là, ces tenants du pouvoir qui sont habitués à perpétrer des gré à gré et des hold-up, des coups de force, des coups d'État constitutionnels, peuvent parfaitement utiliser les mécanismes qui existent, c'est-à-dire les mécanismes juridiques, pour, encore une fois, comme cela s'est vu en 1982, passer en force sur le dos et à la barbe du peuple camerounais. C'est dans ce contexte que je viens de rappeler que le président élu, le professeur Maurice Kamto, a cru devoir attirer l'attention du peuple camerounais. Et c'est en cela que le professeur Kamto fait œuvre d'innovation, parce que nous sommes habitués sur la scène politique à avoir pour fonction de parti politique celle de s'animer ou de ne s'activer que pendant les échéances ou à la veille des échéances électorales et puis de disparaître juste après. Non. Il faut rappeler que parmi les attributions ou parmi les fonctions d'un parti politique, il y a bien la fonction tribunicienne. Et c'est ce faisant le chantre de cette fonction tribunicienne d'un parti politique, comme le mouvement pour la renaissance du Cameroun, que le professeur Kamto attire l'attention du peuple camerounais sur les risques qui peuvent peser sur son avenir. Parce qu'on a en face des gens qu'on connaît très bien. Et ces risques-là, parmi ces risques-là, il y a le souhait quelque peu manifeste de se maintenir ad vitam aeternam au pouvoir. Je convoquerai volontiers pour illustrer cette envie-là une théorie qui avait été mise au point par le professeur Mathias Erico Onanguini, la fameuse théorie du gouvernement perpétuel. La théorie du gré à gré consiste effectivement à se maintenir perpétuellement au pouvoir. Quand on dit se maintenir perpétuellement au pouvoir, il ne s'agit pas forcément de la même personne, encore que la même personne empile déjà une quarantaine d'années à elle seule. Il s'agit de maintenir un système en place avec les mêmes règles, les mêmes attitudes, les mêmes principes, c'est-à-dire essentiellement le viol et le braquage des libertés publiques, de la démocratie et des droits fondamentaux. Voilà, merci. On va tout de suite prendre la direction de Yaoundé. Bonsoir, Denis Emilien Atangana. Je rappelle, vous êtes le président des démocrates, le parti des démocrates camerounais. Front des démocrates. De Front des démocrates camerounais. Bonsoir, Yaoundé. Bonsoir, c'est Jalem Otou. Oui. Bonsoir également à panel et bien évidemment l'équinoxe. Je voudrais préciser que je suis le bien de tant démocrate camerounais et conseiller municipal à la commune de Monatélé. Conseiller municipal à la commune de Monatélé. Elle a beaucoup fait parler d'elle, cette commune. Voilà. Dites-moi. Pardon? La précision en valait la peine. Voilà. Denis Emilien Atangana, ce débat, le gré à gré, révision constitutionnelle, comment le FDC voit tout ça? Quelle est votre position par rapport à ce débat? Est-ce qu'il peut y avoir révision de la constitution pour un éventuel gré à gré, comme le martèle depuis un certain temps, le MRC, le professeur Kamto? Il faut déjà dire que c'est une question très intéressante, qui nous occupe également au sein du FDC. Parce que voyez-vous, lorsque nous regardons le fonctionnement de notre pays, l'état de nos institutions, le rapport que les citoyens ont avec les institutions, avec l'État, on se rend compte qu'il y a un dysfonctionnement qui entrave le vivre ensemble, qui entrave le fonctionnement des institutions. Dans ce sens, nous pensons qu'il est nécessaire et utile de procéder à la modification de la Constitution. Parce que la Constitution n'est pas stable. La Constitution est vivante. La Constitution, lorsque il y a un besoin qui se ressent au niveau des aspirations des populations, il faut à un moment donné faire évoluer la Constitution. Et moi, je pense qu'il y a un débat important qui est celui qui est axé sur le code électoral. Il y a certains qui estiment qu'il faut revoir le code électoral, ce qui est d'ailleurs la position du FDC parce qu'il faut effectivement le revoir. Mais nous pensons que revoir le code électoral sans avoir au préalable modifié la Constitution, ce ne serait qu'un un combat inutile. Il y a des dispositions dans la Constitution qui semblent nécessaires d'être revues. Selon nous, FDC, il y a par exemple le mandat du président de la République, que nous souhaitons
revoit 5 ans au lieu de 7 ans. Nous souhaitons également que, au niveau de la participation politique, qu'on essaie de ramener la majorité politique de 20 ans à 18 ans, la majorité électorale de 23 ans à 18 ans, qu'on retire la possibilité au président de la République de nommer des sénateurs, qu'on essaie aussi de voir dans quelle mesure on peut encadrer le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, de telle sorte que les nominations à des postes sensibles puissent recueillir l'avis favorable, par exemple, des deux tiers de l'Assemblée nationale ou du Sénat. C'est autant de choses que nous estimons nécessaires et importantes pour qu'on puisse revoir au niveau de la Constitution. Donc, pour nous, il faut revoir la Constitution parce que la Constitution n'est pas statique, elle n'est pas stable, elle est une, elle est évoluante. Donc, le débat peut se poser sur le contenu même de cette Constitution, mais au niveau du RDC, la Constitution camerounaise mérite d'être revue. Depuis le déclenchement de la crise anglophone, il y a des remous et il y a des compatriotes qui estiment aujourd'hui que le vivre ensemble pose problème. Le fonctionnement de nos institutions pose problème. Donc, à un moment donné, il faut revoir le contenu de ces institutions, il faut revoir la forme de l'État, et tout ça ne peut pas se faire sans au préalable modifier la Constitution. Donc, c'est pour ça que nous, au niveau du RPC, nous pensons qu'il est même en retard, parce que depuis que la Constitution de 1977 a été adoptée, bien qu'elle ait été reçue en 2008 pour des aspects spécifiques, nous pensons que pour construire un vivre ensemble, pour créer la confiance entre les citoyens envers les institutions et l'État, cette Constitution-là mérite d'être revue. C'est donc après qu'on pourra aborder la question du code électoral qui également nous préoccupe. Voilà, Joseph René Mboutouzé, révision de la Constitution pour le FDC, parce qu'il y a des éléments là qui sont un peu dépassés, qu'il faut adapter. Pour le MRC, pas question, le MRC s'accroche sur... la succession, surtout au niveau de, au sommet de l'État, c'est ça qui pose problème au MRC. Le RDPC, quelle est sa position? La Constitution doit-elle être retouchée? Ou bien on continue comme en l'État depuis de celle de 1996? Vous savez, Serge Alain, le RDPC, le gouvernement de la République, le président Paul Biya, ne travaille pas pour faire plaisir au MRC ou bien à tout autre parti politique. Il faut que cela soit bien entendu. Le président Paul Biya et son gouvernement travaillent pour le bien-être du peuple camerounais. Le président Paul Biya ne peut donc pas être jugé par le MRC et ses alliés, encore moins par d'autres partis politiques. Le seul juge, c'est le peuple camerounais. Et on évalue le niveau de satisfaction du peuple camerounais par le résultat qui sort des urnes au cours de l'élection. Soit les élections locales, les élections législatives ou les élections présidentielles. Il est constant que depuis que le président Paul Biya est au pouvoir, le peuple lui a toujours et toujours garanti sa confiance. Le RDPC a toujours battu de plein fouet ses concurrents à toutes les élections législatives ou locales. Ça, ce sont les indicateurs qui montrent le degré de satisfaction du peuple vis-à-vis de la politique du renouveau. Donc, vraiment, on ne peut pas s'attarder aux besoins ou à aux fantasmes du RMC et des autres. Le rôle d'un parti politique, si les autres ne le savent pas, c'est de conquérir le pouvoir. Et une fois que le pouvoir est conquis, c'est de le garder, c'est de le maintenir. Maintenant, lorsque nous, comme actuellement, nous avons le pouvoir, notre devoir, c'est de le garder le plus longtemps possible. Si on peut me le garder jusqu'à l'infini, tant mieux. Et les autres en face doivent se battre pour le conquérir, pour le récupérer. Alors nous ne pouvons pas être dans une position de pouvoir et jouer le jeu de l'adversaire.
Si le MRC avait vraiment voulu changer la Constitution, si le MRC avait voulu ne pas se retrouver dans une situation embarrassante, où ils sont inquiets d'un gré à gré fantasmagorique, il aurait fallu que le MRC participe à la dernière élection législative. C'est à l'Assemblée nationale qu'on modifie les lois. Alors, vous ne pouvez pas être un parti politique qui renonce à l'élection, qui doit envoyer vos membres dans la chambre où les lois se modifient, ou alors les lois se créent. Et vous restez là à imaginer que ce soit les autres qui le fassent à votre place. Moi, je trouve ça totalement... J'ai failli dire enfantin. Je ne vais pas étudier ce mot. Je trouve ça totalement naïf. Nous rendons compte au peuple. Nous ne rendons pas compte au MRC. Et tant que les actions du gouvernement sont en conformité avec la Constitution de la République du Cameroun, nous allons continuer jusqu'à ce que nous soyons sûrs que le peuple nous fasse encore confiance. Parce que, je voudrais dire ici, que le peuple peut même décider de dire on ne fait plus confiance à un président ou bien à un régime. Il y a des régimes qui ont été battus en brèche même après avoir gagné des élections ailleurs. On se souvient encore du cas du Burkina Faso. Il y a eu. Vous dites bien le Burkina Faso. Voilà. Ça veut dire que... Ça peut arriver ici. Non, je dis que si ce peuple était vraiment le peuple qui est peint par M. Ndiéou, qui représente le MRC aujourd'hui, oui. le peuple aurait manifesté. Mais maintenant, nous voyons que nous vivons dans un Cameroun serein, un Cameroun où les actions de développement sont posées au quotidien, un peuple qui, à chaque fois, se lève pour acclamer son président lorsqu'il fait la moindre sortie. Vous avez vu ces derniers temps les audiences qui sont accordées au niveau des télévisions nationales. À chaque fois que le président de la République doit s'agresser au peuple, c'est minimalement des indicateurs qui marquent l'attachement du peuple vis-à-vis du dirigeant. Alors, nous n'allons pas continuer à écouter ce que les autres disent parce qu'on ne fera jamais ce qu'ils disent. Nous faisons dans le RDPC ce que nous trouvons juste pour le peuple parce que nous n'agissons qu'au nom du peuple. Voilà, Roland Maître Ndiéou, surtout dans cette déclaration du professeur Kamto, dit nous n'accepterons jamais une forme de succession de gré à gré à la tête de l'État. Comment, lorsqu'on voit bien l'article 25, l'initiative des lois appartient concurremment au président de la République, aux membres du Parlement. Aujourd'hui, le RDPC, c'est 157 députés à l'Assemblée nationale sur 180. Comment ça peut, si le RDPC, la loi, le projet de loi arrive, comment le RDPC peut s'opposer à cela? Je dois commencer par peut-être faire une petite précision à M. Mbutu. Oui. Je crois qu'il doit s'attacher à faire la différence entre plusieurs types de pouvoirs constituants. Il doit savoir qu'il y a le pouvoir constituant originel et le pouvoir constituant dérivé. Et cette tendance que beaucoup de Camerounais ont de croire que lorsqu'on n'est pas au Parlement, on n'existe pas, c'est précisément une vision dévoyé de la République, de la chose publique. Le pouvoir constituant originaire ou originel appartient au peuple souverain. Il peut choisir, ce peuple souverain, de le déléguer, par exemple, à ses représentants, comme le président de la République, comme les députés et les sénateurs. Il peut l'exercer lui-même, notamment à travers le référendum que M. Mbutu semble ne pas prendre en compte dans son analyse. Parce que s'il avait tenu compte notamment, en
tout cas tout au moins du référendum, il aurait compris que, en tant que leader politique, le président élu, le professeur Maurice Kamto, n'a pas besoin d'être à l'Assemblée nationale, par exemple, pour mener une campagne en faveur du oui ou du non pour un éventuel référendum constitutionnel. Donc, je dis ça rapidement pour corriger la fausse perception que certains ont, selon laquelle, tant qu'on n'est pas au Parlement, on n'existe pas. Qui décide du référendum ? Monsieur Mbuto, je ne suis pas sûr de vous avoir interrompu. Je ne suis pas certain. Et si je ne l'ai pas fait, ce n'est pas parce que ce que vous disiez était digeste. C'est simplement parce que je vous respecte. Donc, vous pouvez ne pas me respecter, mais respecter les téléspectateurs. Je vous en prie. J'étais donc en train de dire, et c'est bon pour vous de le noter, que le pouvoir constitutionnel originel, c'est celui qui a été mobilisé dans un pays que vous avez cité, c'est-à-dire le Burkina Faso. Le peuple ne peut pas comploter contre lui-même. C'est-à-dire que lorsqu'il délègue même son pouvoir, il a encore le dernier mot, ce peuple-là. Il lui est encore loisible d'exercer sa souveraineté, par exemple en faisant une manifestation publique ou des manifestations publiques. C'est le principe de la manifestation publique qui a fait tomber un président qui venait d'être élu, comme Blaise Compaoré. C'est le principe de la manifestation publique qui a fait tomber un président qui venait d'être élu, comme Ben Ali. C'est le principe de la souveraineté populaire et de la manifestation publique qui a mobilisé les Égyptiens sur la place Tahrir, etc., etc. On peut multiplier les exemples, le cas du Soudan, etc. Et le peuple souverain est constitué de tout ce que vous ne souhaitez pas écouter, y compris le MRC, ses alliés et ses militants, ses sympathisants. Eux aussi font partie du peuple souverain. Donc, si vous êtes, comme vous le dites au gouvernement, et que vous travaillez pour le bien du peuple camerounais, quand vous choisissez de n'écouter que ceux qui chantent vos louanges, je ne suis pas sûr qu'à ce moment-là, vous pouvez prétendre vraiment écouter le peuple camerounais. Ça, c'est d'un. De deux, je dois également, c'est une précision, pardon, que je dois également faire, c'est que je me félicite du propos tout à l'heure de monsieur Denis-Emilien Atangana sur la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire de manière générale dans ce pays en l'état actuel. Et je lui rappelle, je le rassure en lui disant qu'effectivement, ce n'est pas parce que pour l'instant, nous communiquons essentiellement autour du non au gré à gré que cela veut dire que nous ne sommes pas préoccupés, par exemple, des réformes profondes que la constitution du Cameroun doit subir. Et d'ailleurs, pour nous, il ne s'agit pas de réformer le code électoral. Pour nous, il s'agit de réformer le système électoral. Et évidemment que le système électoral a des incidences depuis la Constitution jusqu'au niveau de l'administration. C'est tout ce système-là qu'il faut revoir. Évidemment que la Constitution du Cameroun n'est pas un vêtement cousu une fois pour toutes. Non, la Constitution est un outil de gouvernance que le peuple se donne à lui-même pour régler ses problèmes. Et donc, quand cette constitution ne convient plus au peuple, il est normal que le peuple, que le dit peuple, demande à ce que cette constitution soit révisée. Et quand il demande à ses employés, puisque le président de la République n'est rien d'autre que l'employé du peuple camerounais. Il ne peut donc pas faire l'autisme qui le caractérise actuellement. Il doit écouter ce peuple. Et ce peuple camerounais s'est exprimé de diverses manières, notamment dans sa composante anglophone, pour indiquer, par exemple, qu'il fallait revoir la forme de l'État, par exemple, pour y introduire une plus forte dose de gouvernance locale, de fédéralisme, parce que c'est une technique de gouvernance de l'État qui permet à ce que les populations puissent être elles-mêmes en charge de leurs affaires, en tout cas des affaires locales, de telle sorte que finalement, le niveau central, parce que plus efficace, ne s'occupe que de ce qui concerne précisément l'ensemble de la communauté. Et ça marche très bien dans certains pays. D'ailleurs, des pays que M. Biya visitait régulièrement, je pense à la Suisse, je pense à l'Allemagne fédérale, je pense aux États-Unis, etc. Et donc, pour revenir à votre question, monsieur... Oui, rapidement, on va aller à Yaoundé. Oui, pour revenir à votre question, nous parlons du gré à gré maintenant parce que il y a des signes qui montrent que le régime en place souhaite vivement créer
créer des mécanismes qui vont lui permettre de se maintenir au pouvoir perpétuellement? Voilà la question. Ça ne me poserait aucun problème à titre personnel que M. Mbutuze soit président à l'infini. Mais si c'est la volonté du peuple camerounais, d'accord. Sinon, il faut qu'on s'oppose à cela. Et comment on est sûr que c'est la volonté du peuple camerounais? Alors, il faut que les règles de désignation soient, premièrement, consensuelles, deuxièmement, transparentes et sincères, de sorte que celui qui est élu, au final, est bel et bien l'émanation de la volonté du souverain peuple. Dans les conditions actuelles, tout le monde sait, dans les conditions actuelles, tout le monde sait que ceux qui sont au pouvoir ont les moyens de se maintenir à travers les règles du jeu électoral. D'ailleurs, je sors par là. Oui, rapidement. Techniquement, le régime RDPC n'est pas obligé de faire une modification de la Constitution pour perpétrer un gré à gré. Il lui suffit d'organiser une autre farce électorale comme celle de 2018, comme celle du 9 février 2020, pour s'assurer que son candidat finira par être élu, parce que de toutes les manières, le système électoral est entre ses mains et il est le seul à en détenir les clés. Voilà, on va donc partir une nouvelle fois à Yaoundé. Cette fois-ci, c'est pour rencontrer le docteur Fridolin Ké. Bonsoir docteur, vous êtes enseignant à l'université de Yaoundé 1. Voilà, sur cette question de gré à gré qui, selon le professeur Kamto, il y a des manœuvres visant à organiser la succession de gré à gré à la tête de notre pays. Votre analyse. Bonsoir monsieur Etou. Bonsoir à tous les spectateurs et aussi à vos... Je vais apporter ma situation de tristesse. Je dois rendre hommage à votre père pour la visite. Je dois donner beaucoup de paix à sa famille. À sa femme, l'enfant. Je dois dire que mon premier mot avant de répondre à cette question, que j'ai vu pour la première fois dans l'enquête parce que j'ai... Je crois qu'on va, on va revenir sur le docteur Fridolin Ké dans un instant, sur... Le temps pour la technique de régler quelques petits éléments. Joseph René Mbutuze, sur cette situation, ce n'est pas, comme a dit Maître Ndiéou, il ne faut pas forcément être à l'Assemblée pour que le peuple peut. Oui, malheureusement, Monsieur Ndiéou semble oublier une chose, c'est que c'est toujours ce que le peuple élu qui décide même du référendum ou pas. C'est pour ça que c'est important de participer d'abord aux élections. Et puis, M. Ndiéou semble être un peu en déphasage avec le temps. Parce que les problèmes qu'il pose là maintenant, c'est les problèmes qu'il aurait dû poser en 2018. Parce que le peuple a choisi le président pour un nouveau mandat en 2018. Et le peuple choisit donc le président sur la base d'un programme. Le président Paul Biya, comme il veut parler, par exemple, du fédéralisme, n'a nullement dit dans son programme que le Cameroun, il fera du Cameroun un État fédéral. Le président, dans son programme, a parlé d'un État unitaire décentralisé. Ça veut dire que ce peuple qui venait d'élire le président de la République pour un mandat de 7 ans, nous ne sommes qu'à la deuxième année encore, a bien choisi le président, sachant que au cours de ce mandat du président Paul Biya, on ne parlera pas du fédéralisme, mais on parlera de décentralisation. Ce peuple attend plutôt évaluer le niveau de décentralisation qui est mis en œuvre donc par le président de la République à travers son programme. D'où sort-il qu'il nous parle encore d'un peuple qui aurait souhaité le fédéralisme? Il y a des partis politiques qui avait pour programme en 2018 le fédéralisme.
Si c'était vraiment la volonté du peuple souverain, mais ce peuple devait élire ces gens-là à ces circonstances-là. Comment il veut ramener, ils veulent toujours ramener les Camerounais en 2018, à l'élection présidentielle 2018. Cette élection est passée. Le président de la République est à étudier. Il prend des décrets. Il donne des orientations pour la vie de la nation. Et il le fera pour 5 années encore. Vraiment, si vous ne vous dissociez pas de vos frustrations de l'élection 2018, ça sera très très difficile pour vous. Et c'est pour cela que vous voyez comment votre président MRC est devenu le MRC. Parce que tout à l'heure, il a dit que les sorties du président Kamto ont contribué à l'animation des partis politiques. Et la seule animation que nous entendons dans le MRC, ça ne vient que du président Kamto, de leur président. Je me demande si ce parti n'est pas suffisamment structuré pour pouvoir permettre à d'autres personnes de pouvoir prendre la parole. Je crois qu'il y a un responsable, une cellule de la communication dans ce parti. Parce que qu'ils viennent à faire des discours chaque semaine, ça dilue un peu son charisme de pouvoir diriger un parti d'opposition qui est au niveau où il pense dans l'être tel qu'il se trouve. Mais ça devient un peu banal parce que vulgaire. Mais c'est ça le problème. Il faut que M. Diouf revienne en 2020. Nous sommes sortis depuis de l'élection présidentielle de 2018. Le peuple camerounais a élu le président Paul Biya sur la base d'un programme. Et c'est ce programme qui sera poursuivi jusqu'à la fin de la mandature. Qu'ils attendent tranquillement 2025. Et puis, il y a peut-être des choses que je suis obligé de rappeler à Maître Diouf. C'est que quand on est au pouvoir, on cherche toutes les stratégies pour continuer à se maintenir au pouvoir. Il fut un moment où le président Kamto était au pouvoir. À cette époque, il était alors ministre délégué du président Paul Biya. En 2008, il était parmi ceux qui ont apporté l'apport en industrie pour que la modification concernant de 2008 puisse avoir lieu. Il était d'accord que le président Paul Biya continue au pouvoir parce que lui-même il était au pouvoir. Et à ce moment-là, il était dans les stratégies qui devaient maintenir le président Paul Biya au pouvoir. Maintenant, je peux comprendre qu'il soit sorti du pouvoir aujourd'hui et que le même Kamto, pouvoiriste par le passé, pense qu'il est maintenant normal qu'il y ait attenance. Il devrait y penser en 2008. Mais il était l'un. Ou alors l'une des personnes, parce que membre du gouvernement, qui trouvait que le gouvernement de la République répondait aux aspirations du peuple et qu'il fallait continuer avec lui. Pourquoi vous voulez qu'un parti qui est au pouvoir se dessaisisse, libère le pouvoir pour en donner aux autres? Okay. Monsieur Diouf, vous combattez. Et je verrai comment, si un jour vous réussissez à prendre ce pouvoir, comment vous allez le libérer? Parce que les autres vous diront, vous avez mis du temps. Cela n'existe nulle part, monsieur Diouf. Et maintenant, parlant du gré à gré, monsieur Serge Tou. Si le gré à gré, c'est un militant du RDPC qui remplace un militant du RDPC, que M. Diouf, ses amis et le reste sachent donc qu'il y aura donc le gré à gré. Parce qu'il arrivera bien un jour où le président Paul Biya ne pourra plus se présenter. Et à cette occasion, le RDPC présentera un autre candidat. Et comme c'est le parti du peuple, c'est le parti majoritaire au Cameroun, ce candidat va gagner. Ils appelleront dans ça le gré à gré. Qu'ils sachent donc que si pour eux le gré à gré c'est RDPC qui remplace RDPC, il y aura donc le gré à gré. Voilà, on va repartir à Yaoundé, le docteur Fridolin Ké,
les lâches, quoi. Cette fois-ci, c'est la bonne. Docteur Fridolinké, bonsoir une fois de plus. La session s'ouvre demain. Est-ce que, pour beaucoup, hein, ce que redoute le MRC pourrait se passer au cours de cette session de juin? Mon professeur. Voilà, maître Ndjebou, allez-y. Alors, j'ai vu, je sais que vous brûlez envie de répondre. Non, vous savez, moi je fais le débat. Les répondre, Joseph Redem Boutouzé. Je fais le débat, je ne fais pas des ping-pong. Oui. Mais il y a quand même des choses, justement, qui méritent qu'on lui apporte une certaine réponse. D'abord, je dois me féliciter avec M. Mboutou, qu'on puisse reconnaître, quand on est du côté du RDPC, au professeur Maurice Kamto, président élu, qu'il ait quelque importance bien que sûr. Ce soit. Parce que, voyez-vous, quand ça les arrange, ils font passer le professeur Kamto, le président élu, pour le maître à penser de M. Biya. Vous voyez? C'est-à-dire que quand c'est 2008 et la fameuse modification de la Constitution qui a fait sauter le verrou de la limitation des mandats et qui, au passage, a entraîné une vague de répression des jeunes Camerounais qui manifestaient contre cette occurrence, on veut faire passer le président élu, le professeur Maurice Kamto, comme le maître à penser de cette histoire. Sauf que les faits sont têtus. Et j'aimerais donner une image à nos concitoyens pour qu'ils arrêtent de se faire entraîner dans de fausses pistes. Moi, je suis avocat. Supposez que je sois votre avocat, M. Otto, et que pendant que j'occupe pour une des affaires que vous m'avez confiées, peut-être un litige foncier contre M. Mboutou que vous m'avez confié une affaire, et pendant le même temps, chez vous, à la maison, vous êtes un homme qui ne se comporte pas très bien avec son épouse. Vous voulez que je me déconstitue des affaires que vous m'avez confiées parce que je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites à votre femme? Vous allez me poser la question. Ce n'est pas exactement le travail qu'on attend de vous. Non pas que ça ne me préoccupe pas le fait que vous puissiez être un homme responsable chez vous, mais simplement que j'ai une mission qui est aussi importante que simplement le fait de me mettre à discuter de ce que vous faites avec votre épouse. Le professeur Maurice Kamto, quand il entre au gouvernement, cela est acté qu'il entre au gouvernement en sa qualité de technocrate. Il a une mission qu'il doit mener à bien. Et cette mission en 2008 n'était pas achevée. Et je suis certain que si vous donnez la parole à M. Mboutou tout à l'heure, il vous dira que le même professeur Kamto, qui peut être considéré d'une part comme un esprit brillant, lorsque je vais évoquer l'affaire Bakassi, les mêmes diront qu'il n'a pas eu grand rôle dans cette affaire-là. Vous voyez donc, c'est une géométrie qu'on utilise dans un sens quand on veut le considérer comme étant parmi les démons. Et c'est bien déjà que le RDPC sache que quand on est avec eux ou quand on est proche d'eux, on est proche de l'enfer, de telle sorte que, parti de là, on ne peut pas dire, selon eux, que désormais on prêche la lumière. Je disais donc qu'il est entré au gouvernement pour une mission qui consistait à mettre en œuvre les accords de Green Tree à l'issue du procès que le Cameroun a gagné devant la Cour internationale de justice de la Haye contre le Nigeria concernant la frontière commune entre le Cameroun, le Nigeria et même la Guinée équatoriale. Il fallait mettre en application ces accords-là. Le technocrate Maurice Kamto est allé au gouvernement pour mener à bien cette mission. Et au cours de sa mission, justement, le gouvernement auquel il a appartenu s'est illustré par des actes que personne ne peut accepter. Seulement, il y a un devoir quand on est un homme d'État ou quand on l'aspire à l'être, c'est de pouvoir souvent faire la part des choses et d'assumer le poids que cela aura du point de vue de l'histoire. En ce qui concerne le professeur Kamto, je crois savoir qu'il assume pleinement le rôle qu'il a pu jouer
au sein du gouvernement. Mais de grâce, que l'on ne fasse pas croire que c'était lui le délégué général à la Sûreté nationale, le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre de l'administration territoriale de l'époque. Cela n'est pas exact. Il n'était même pas le ministre de la Justice. Pour votre gouvernement, il n'était que ministre délégué à la justice, ministre délégué à la justice. Et pour votre information, quand on est ministre délégué, on n'a ni pouvoir budgétaire, ni pouvoir administratif. Si ceux qui l'ont nommé à cette fonction, en dépouillant la fonction d'attribution administrative et budgétaire, pensaient lui faire du mal, alors ils lui ont fait un bien fou. Parce que le ministre titulaire prend des arrêtés. Il ordonne l'exécution d'un budget. Le ministre délégué, même pour l'imprimante de son bureau, demande au ministre titulaire. Et en cela, vous verrez bien que depuis sa démission, un autre fait qui ne court pas les rues dans l'environnement camerounais, un ministre qui démissionne. Ça, il faut aussi souvent le rappeler quand vous parlez du professeur Kamto, qui démissionne et qui, plus de 7 ans après sa démission, personne ne trouve une seule épingle qu'il aurait abandonnée dans sa poche en partant du ministère. Parce que sinon, je ne crois pas qu'il serait en liberté aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il serait allé en prison pour des faits d'hostilité contre la patrie. Parce que d'autres, pour parfois des supputations, se sont retrouvés poursuivis pour détournement de biens publics. Donc je rappelle cela aussi bien à M. Mboutou qu'à l'attention de nos compatriotes pour indiquer que non, quand on est membre du gouvernement, on n'est pas forcément le maître à penser. Il y a un monsieur qui avait intérêt à rester au pouvoir et la limitation de mandat de cette époque-là le gênait. Il s'est organisé comme d'habitude pour se maintenir en faisant sauter le verrou de la limitation de mandat. Je termine en disant que pour nous, il devait démissionner en 2008. Vous insistez, M. Mboutou. Albert Camus disait qu'elle insiste toujours. Je disais que... Merci. Non, je termine simplement, simplement en disant que pour nous, l'œuvre principale, et cela était contenu dans notre programme en 2018, que ça vous gêne ou pas, j'ai le droit de rappeler 2018, nous voulons moderniser l'État du Cameroun. Merci, merci, merci Mandiou, parce que il est là. Cédric Noufélé, c'est l'heure du journal. Bonsoir, Cédric. Dans un instant, le 20h, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons d'une décision de justice qui a surpris les avocats de Samuel Ouazizi, décédé en détention il y a près de 10 mois. Vous le savez, ces avocats multiplient les démarches judiciaires, demandent habeas corpus auprès du tribunal de grande instance du FACO. À la surprise générale, le tribunal a rejeté leur demande, s'appuyant sur le fait que le journaliste en question était déjà décédé lorsque la demande a été introduite en novembre 2019. Vous suivrez dans ce journal la réaction des avocats de Samuel Ouazizi dans le journal de 20h et une mobilisation des journalistes pour dénoncer cette disparition brutale et tragique datant d'il y a près de 10 mois. Ils se sont mobilisés à travers plusieurs villes du Cameroun. Nous ferons le point dans le journal de 20h. Nous parlerons également de l'impact du Covid-19 sur les ménages. C'est une première, une étude de l'Institut national de la statistique qui révèle que les Camerounais voient leur niveau de vie se dégrader du fait de la crise sanitaire et son impact dans les entreprises. Près de 60% des entreprises ont renvoyé leurs employés, une question qui n'a pas encore été résolue par le gouvernement. Nous ferons également le point dans le journal de 20h. Ce soir, c'est un portrait de ce dirigeant africain qui est décédé des suites d'un arrêt cardiaque, Pierre Nkurunziza, qui s'était érigé en guide suprême du patriotisme. Il est décédé à l'âge de 55 ans. Tôt ce matin, dans son pays, il ne vivra pas l'arrivée d'un nouveau président à la tête du Burundi. Nous évoquerons son parcours et son troisième mandat controversé qui a créé une violente crise politique dans son pays. Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Jalan. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Équinox Soir. On se retrouve après le 20h de Cédric pour Équinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités à Douala et à Yaoundé.
Retour sur le plateau Équinoxoir, deuxième partie, partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de maître Roland Diéhou du mouvement pour la renaissance du Cameroun, ainsi que des alliés en face de lui, Joseph René Mboutouzé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et à Yaoundé, nous avons Denis-Émilien Atangana du Front des démocrates camerounais. Et peut-être, si nous avons de la chance, on va retrouver le docteur Fridolin Ké pour cette deuxième et dernière partie. Je commence par vous, Joseph René Mboutouzé. Des masques aujourd'hui, hein, alors que les cours ont commencé. Comment comprendre ça? 170, soit 10 000 masques. Un autre don du président de la République. Oui, le président reste dans la même dynamique. La dynamique de protéger les élèves qui vont à l'école. Dans la dynamique de sauver l'année scolaire, l'année académique des jeunes Camerounais. Et ça rentre dans la continuité de ce qu'il a commencé à faire depuis que la pandémie a commencé. Et cela montre à suffisance que nous avions là un président qui pense au peuple et qui est derrière le peuple. Je crois que des reportages comme ça devraient rassurer les Camerounais quant à la présence permanente du président de la République derrière son peuple. Donc, monsieur Serge Alain Otou, je crois que tout ce que nous pouvons faire, c'est d'encourager et peut-être même d'applaudir. Voilà, maître Ndiou, j'ai envie de vous poser la question. On n'entend pas ces derniers temps parler. Où est-ce qu'on en est avec l'initiative Survie Cameroun? Mais je crois que si vous aviez ouvert, comme ça a été le cas pour le ministre de l'administration territoriale, vous auriez su que l'initiative Survie Cameroun est à l'œuvre. Elle s'est illustrée récemment dans le sud-ouest. D'ailleurs, je rappelle que lorsqu'il a été convoqué par la gendarmerie du côté de Garoua, le professeur Alain Foguet et les amis politiques qui se sont rendus de ce côté-là en ont profité sur leur chemin retour pour s'arrêter et procéder à une campagne de distribution de masques, de gel dans la Damawa. Et voilà, je veux dire que c'est une initiative qui se poursuit, qui poursuit son bonhomme de chemin. La pandémie n'est pas derrière nous, contrairement à ce que... Ouais, les chiffres sont là. Justement, contrairement... 8681 cas positifs, 4836 guéris, 208 décès. Tout à fait. La pandémie n'est pas derrière nous, donc, disais-je. Il faut redoubler de vigilance. Et donc, une initiative humanitaire, non partisane, comme l'initiative Survie Cameroun, Survival Initiative, est dans cette logique-là, elle aussi, de se tenir aux côtés des Camerounais et leur apporter le petit peu qui peut être sa contribution. Mais je regrette que cela n'ait pas pu se faire comme l'initiative l'avait souhaité. Parce que la communication du ministre indique le nombre de contaminés. Mais vous savez, c'est l'un des problèmes majeurs que pose le traitement de cette pandémie au Cameroun actuellement. C'est qu'il n'y a pas une véritable transparence sur notamment le nombre de cas. On ne sait pas combien de personnes est-ce qu'on teste pour obtenir le résultat qu'on obtient. À un moment donné, on nous a fait savoir qu'il y avait une certaine difficulté à avoir accès aux tests. Et on a quand même réussi à se payer le luxe de rejeter un appui qui pouvait justement pallier un tant soit peu à cette carence-là, simplement parce que cet appui venait de l'ennemi public numéro un au Cameroun en ce moment. Mais Mendio, vous venez de dire que l'initiative se poursuit dans le sud-ouest, nord-ouest. Bien sûr. Le sud-ouest. Je disais que l'initiative se poursuivait. Et vous savez qu'elle est multiforme. Voilà. Il n'y a pas que les masques barrières. Oui. Il n'y a pas que les gels. Hydroalcoolique. Quelqu'un a dit hydroélectrique. Mais je crois qu'on convient quand même qu'il s'agit de gels hydroalcooliques. Alcoolique, oui. Et il n'y a pas que ça. Et l'initiative n'avait pas
mis à la disposition du gouvernement camerounais à travers le ministère de la Santé seulement les masques barrés. Il y avait des tests qu'ils se sont payés le luxe de rejeter. Donc, voyez donc, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, nous poursuivrons. L'initiative poursuit son bonhomme de chemin. Et en même temps qu'il insiste à nouveau sur les précautions qu'il faut prendre, parce qu'il ne faut pas se laisser tromper par la légèreté avec laquelle le gouvernement prend certaines mesures. La crise n'est pas derrière nous. On a bien vu que les débits de boissons ont réouvert. On a aussi vu que les élèves, nos enfants, sont appelés à reprendre l'école. Vous voyez que si c'est une semaine après le retour à l'école qu'on essaye de pallier au déficit de masques comme on peut, d'ailleurs en faisant beaucoup de propagande pour indiquer qu'il s'agit d'un don de M. Biya, sans qu'on ne sache vraiment si c'est sa fortune privée qui est ainsi mobilisée ou si c'est l'argent du peuple camerounais qui est censé gérer M. le Président de la République, même usurpateur. C'est toujours un mélange de genres qui ne convient pas à l'oreille. Voilà. Mais nous sommes disposés, comme toujours d'ailleurs, à toujours apporter notre pierre à côté des autres contributions qui existent. Parce que voyez-vous, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord avec ceux qui nous gouvernent que nous allons rejeter les masques qui ont été offerts. Voilà. Nous sommes tout à fait disposés à apporter ce qu'on peut dès lors que cela est accepté. Voilà, on va prendre... nous avons peut-être la chance aujourd'hui d'avoir un élu de Monatélé où ça fait beaucoup parler, la survie Cameroun. Vous avez fait une sortie, vous, Denis Emilien Tangana, parce que un autre conseiller municipal, adjoint au maire, je crois, Célestin Bédigui, avait pris sur lui de réceptionner les masques, les dons de survie Cameroun. Ça vous a pas plu particulièrement, vous? On a vu votre sortie, Denis Emilien Tangana. Où est-ce qu'on en est avec cette affaire au niveau de la commune de Monatélé? Je voudrais d'abord une discussion sur le fameux don que le ministre a donné au nom du président de la République. Je voudrais insister en disant que pas d'un don du président de la République. Monsieur Tangani, j'ai dans une ligne et à la protection civile. Il a donc dit de la France. Faire de la crise au nom de l'État. Donc, il ne s'agit pas de don, il s'agit de la monnaie du président. Il faut vraiment vous dire cela et pour nous, il faut que le président n'a pas évoqué ce don-là. Donc, pas d'un, bien que les gens s'accueillent de la. Bon, des petits soucis techniques. Hein. Je crois qu'on va revenir sur Denis Emilien Tangana dans un instant. Joseph René Mboutouzé, le don, je suis, ça, une semaine après la reprise des cours, quand même. Mais... on sait quand même qu'il y a le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation avait déjà fait don pour ce ministère-là en charge de l'éducation. Et aujourd'hui, comme dit Maître Ndiaou, un don du président de la République. 170 000 masques. Mais Serge, pourquoi vous insistez sur ce don? Vous aurez souhaité que le président de la République cesse de faire des dons à son peuple aussi longtemps que la pandémie va rester, aussi longtemps le président de la République va agir dans ce sens. Est-ce que si le président a fait un don aujourd'hui, ça lui interdit d'en faire un autre demain, si le besoin se fait sentir? Est-ce que c'est ce don qui a conditionné le retour des enfants à l'école? Je crois que l'État du Cameroun a pris des mesures pour que lorsque les enfants rentrent à l'école, toutes les mesures de sécurité soient prises pour que ces enfants soient hors d'atteinte de la maladie. Et en dehors de ce que l'État a fait, des parents responsables en ont apporté du leur. Pour renforcer ce que le gouvernement avait déjà commencé à faire. Moi, je pense que le problème de la protection des enfants dans des salles de classe ne se pose plus.
Tout ce que le président fait, c'est de renforcer ce qui est déjà disponible, peut-être même pour construire des économies. Parce qu'en dehors des dons du chef de l'État, il y a des citoyens camerounais qui font des dons tous les jours. D'autres faisant la publicité, d'autres n'en faisant pas du tout. Donc, j'étais bien invité ici pour parler des dons de l'initiative Suivi Cameroun. Oui. Moi, à cette époque, j'avais dit que Suivi Cameroun, c'est quelque chose de louable. Si les Camerounais peuvent s'associer pour apporter du réconfort aux citoyens, c'est bon. Mais j'avais seulement critiqué la démarche. Parce que la démarche était une démarche de confrontation avec le gouvernement. Ils n'en avaient pas besoin. Ils prenaient leurs dons et ils les distribuaient, même de façon anonyme, si l'objectif recherché était un objectif humanitaire. Ils n'avaient pas besoin d'aller remettre des dons à tel ministre, repartir en donner à tel autre ministre. Parce que les seuls endroits où on peut utiliser un test de dépistage du Covid n'est pas seulement dans les formations agréées qui sont gérées par le ministère de la Santé publique, même dans les formations privées, dans les cliniques, on peut recevoir ces tests et pouvoir les mettre à disposition de la population camerounaise. Donc vraiment dire qu'on a donné des dons au ministre qui a refusé, et c'est un blocage, moi je trouve que c'est de la surenchère inutile, parce que là où ils sont allés à Garoua, mercredi, où ils disent qu'ils étaient au sud-ouest, s'ils déposent ces tests dans les différentes cliniques là-bas, est-ce qu'on ne va pas les administrer aux Camerounais et pouvoir les utiliser de façon efficiente? Donc moi je pense que vraiment vouloir aller dans la confrontation était totalement inutile, et c'est cette confrontation avec l'autorité qui a semblé poser le problème de la participation de Suivi Cameroun dans la lutte, pas l'idée. L'idée même n'était pas mauvaise. Moi-même, pourquoi je ne recevrais pas un masque donné par Suivi Cameroun? Mais si vous voulez me donner un masque, voilà mon ami Dieu, il est de cette initiative-là. Il sait qu'on va se retrouver ici à Equinox. Il me donne des masques, il m'avait donné à ma famille ou bien aux gens de mon village. Est-ce qu'il a d'avoir besoin d'aller les redonner au ministre de la Santé pour que ça arrive encore à mon niveau? Moi, je trouve que c'est des débats inutiles. Il faut que des gens apprennent à utiliser des circuits, à émettre des stratégies qui peuvent leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Donc, cette initiative a seulement eu un problème de management. Et je suis quand même étonné avec la qualité des membres qui sont quand même à Suivi Cameroun. Vous savez, nous respectons beaucoup les membres de Suivi Cameroun, parce que vous voyez, le monsieur Mpende Koka a quand même été conseiller technique du président Paul Biya. Monsieur Maurice Kamto a été ministre délégué 7 ans. Parce que s'il s'était trompé et pendant 6 mois, on aurait pu lui donner une excuse de dire qu'il a fait 6 mois et il s'est rendu compte qu'il était sur un mauvais bateau. On lui aurait encore donné des excuses. Mais M. Maurice Kamto a fait 7 ans. 7 ans, c'est le temps d'un mandat présidentiel, c'est énorme. Donc pour moi, pour tout ce qu'il a fait pour le RDPC, pour avoir régulièrement battu campagne pour le président Paul Biya plusieurs fois, moi, je serai toujours et toujours reconnaissant vis-à-vis de Maurice Kamto. Il nous a aidés. Je n'ai pas dit que c'est lui qui a tout fait pour que le peuple comprenne qu'on doit lever le verrou de la limitation des mandats. Parce qu'il était dans le gouvernement, il y a œuvré. Et la preuve, s'il avait vu que c'était mauvais, le lendemain, il allait démissionner. Mais il est resté dans ce gouvernement jusqu'en 2011. Ça veut dire qu'il a eu le temps de valider et de se rassurer que ce verrou est... toujours dans les dons, là. Que ce verrou... Moi, je suis en train de répondre à sa dernière préoccupation avant qu'on ne coupe l'émission. Non, il s'est rassuré. Ce n'est pas lui qui... nous sommes dans les dons.
Oui, laissez M. Mbutu parler. Il s'est rassuré, effectivement, que la prochaine élection de 2011, le peuple allait accepter la reconduction du président Paul Biya en le votant comme ils l'ont voté en 2011. Maintenant, si ce camarade est parti ailleurs, on ne peut pas oublier tous les biens qu'il a fait au président Paul Biya. On ne peut pas oublier tous les biens qu'il a fait au RDPC qu'il a servi. On ne peut pas oublier tout le soutien qu'il a apporté aux différentes campagnes du président de la République et du RDPC. Donc nous respectons donc ces deux personnages majeurs de suivi Cameroun, qui sont Pende Koka et le président Kamto. Alors je ne comprends pas pourquoi je trouverais un problème vis-à-vis des dons de suivi Cameroun. C'est seulement la stratégie qu'ils ont voulu utiliser pour se mettre en confrontation avec l'autorité de l'État, qui n'a pas été bien. Voilà, okay. Si je peux dire quelque chose. Une dernière question à vous, Joseph René Mbutuze. Vous avez participé, je crois, à deux plateaux ici par rapport à cette reprise des cours. Il y a des parents qui étaient catégoriques, disent non, on n'est pas question de renvoyer leurs enfants à l'école du fait que les chiffres ne faisaient que monter. Vous étiez parmi ces parents-là qui disaient que non, vos enfants devaient aller à l'école. Oui. Aujourd'hui, est-ce que ce don-ci participe comme ça à contenir cette propagation du virus qu'on a annoncé avec la reprise des cours par les enfants? Oui, moi j'ai observé que beaucoup de jeunes qui venaient jouer au stade de football qui est à côté de chez moi, je ne les vois plus en très grand nombre. Ça veut dire que la reprise des cours les a quand même occupés. Oui. Le matin, ils vont à l'école et ils ont repris conscience que l'année n'était pas finie et que les examens arrivent. Au lieu d'aller dans les stades de football, remplir les marchés des rues comme cela se faisait, si vous-même vous observez, vous allez voir que on voit de moins en moins ces jeunes. Parce que le retour des classes n'était pas seulement pour boucler l'année, pour ramener les enfants dans une forme de conscience collective que l'année n'était pas bouclée et qu'il y a des challenges qui arrivent au mois de juillet. Oui. Voilà, ça c'était bon. Moi, j'étais directement concerné par la mesure parce que moi, j'ai ma fille qui est repartie à l'école. Bon, c'est vrai, dans son collège... Tout se passe bien. Dans son collège, ils n'ont pas commencé le lundi. Lundi, oui. Ils ont commencé plutôt le jeudi. C'était quelle classe? Classe de première. Oui. Et... le premier jour, elle m'a dit le dispositif, je n'ai pas envie de prononcer son collège, de peur de considérer ça comme publicité, que leur classe a été scindée en deux et que sur les longs bancs, il y a un élève au bout et le banc qui suit, on met le troisième élève au milieu. Oui. Et cette disposition fait en sorte qu'on puisse respecter la distanciation sociale. Il n'y a plus la récréation, c'est-à-dire on les occupe du matin quand ils arrivent jusqu'à quand ça finit. Ça veut dire que qu'on enlève donc ces récréations-là, oui. On a donc ramené la journée à 13h et il n'y a pas de problème. Je trouve que le gouvernement, sur ce coup, a vraiment eu raison. De renvoyer les enfants à l'école. Tout à fait. Mathieu Roland dit, cette mesure-là, on avait eu peur que ce soit un moyen pour que l'épidémie fasse des ravages encore avec le retour des enfants à l'école. Ce que je dois dire d'entrée de jeu, c'est que nous ne sommes pas contre la prise en compte de tous les enjeux, notamment celui de boucler l'année scolaire, justement. Oui. Mais la vraie question n'est pas à ce niveau-là. Monsieur Mbutu vous donne l'exemple d'un collège. Oui. Et ça m'a fait sourire parce que à côté des collèges qui sont... Lycées. Voilà, des établissements. Mais je crois que les mêmes mesures ont été prises dans les lycées. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Les mesures ont été prises un peu partout, effectivement, mais vous savez très bien qu'elles ne sont pas forcément suivies de la même manière selon qu'on est au privé ou qu'on est dans un établissement public, selon qu'on est en centre-ville ou qu'on est dans l'arrière-pays. C'est de ça qu'il est question. Je suis tout à fait d'accord sur les enjeux, M. Mbutu, et soyez rassurés, il faut trouver une solution à l'année scolaire aussi. Et d'ailleurs, quand on regarde comment la pandémie se comporte, il est fort à parier qu'on va devoir vivre avec un certain moment.
Donc je suis tout à fait d'accord qu'il faut trouver plutôt le juste équilibre. La question est maintenant de savoir comment est-ce qu'on s'organise pour faire face à tout cela. Et c'est parce que nous sommes habitués à une médiocrité organisationnelle que vous avez vu les levées de boucliers qu'il y a eu. Nous savons comment le gouvernement camerounais d'habitude fonctionne. Il est en général en demi, c'est-à-dire en deçà de ce qu'on pourrait attendre d'une organisation ou d'une administration. C'est donc pour ça qu'il y a ces réticences. Surtout que vous n'avez pas la certitude que le milieu estudiantin et scolaire sera testé, par exemple, systématiquement et régulièrement, de sorte que si il y a une niche qui se déclare dans cet environnement-là, elle peut être contenue. Je parlais de tests et M. Mboutou a cru entendre que nous avions, au sein de l'initiative, choisi d'aller faire la publicité. Mais c'est justement parce que nous n'étions pas dans la confrontation avec les pouvoirs publics que les tests qui étaient disponibles, nous avions pensé que ça pouvait servir d'abord aux formations sanitaires publiques. C'est pour ça qu'on est allé voir Monsieur le ministre de la Santé. C'était à lui d'accepter ou de refuser. Et merci du conseil, mais nous n'avons pas attendu cela. Pour d'ailleurs, les autres Camerounais qui pouvaient être dans le besoin de tests n'ont pas attendu votre conseil pour justement solliciter qu'il leur soit remis les 10 tests. Je vous rappelle que l'archidiocèse de Douala en a reçu une certaine quantité et il y a d'autres cas. Donc oui, merci pour le conseil. Ceux qui savent que la vie humaine a un prix, ce ne se sont pas préoccupés de ce qui ressemble à une sorte de querelle de coq du point de vue du gouvernement. Ils ont pris les tests et ils les ont utilisés. Et donc, de mon point de vue, nous devons être sérieux quand nous voulons gérer ce qui concerne la vie des Camerounais. Et lorsqu'il s'agit de nos enfants, encore plus. Donc sur cette question-là, je dois dire qu'il faut redoubler de vigilance. Si des choses ont été faites, comme cela est indiqué, il ne faut pas oublier que l'ennemi ne dort pas et qu'il faut encore insister. Il faut s'assurer, il faut vérifier, il faut passer d'établissement en établissement. Pas simplement pour que cela passe au journal. Parce que j'ai vu la première semaine, la semaine dernière, certains sous-préfets dans des arrondissements faire des tournées avec beaucoup de gyrophares et j'en passe. Oui, c'est déjà une chose, mais il faut continuer, il faut s'assurer, y compris dans l'arrière-pays, que la distanciation sociale est effectivement respectée, que les mesures de réaction rapide sont disponibles. Mais je suis pessimiste parce que quand j'ai regardé le reportage que vous avez fait sur Equinox TV, sur Minkang, je comprends pourquoi le chef de ce village avait tellement envie de dire son ras-le-bol au sous-préfet, qui lui remettait un seau. Il voulait certainement lui dire, monsieur le sous-préfet, votre don ou le don de celui qui vous envoie, il est peut-être déjà quelque chose. On peut même vous dire merci. Mais comment je fais pour ramener ça dans mon village? À combien de personnes est-ce que ça servira là-bas, à Minkang? Quelque part, non loin d'ailleurs des Bolova, mais pour y arriver, c'est un parcours du combattant, etc., etc., etc. Cela repose le problème de la gouvernance. Le RDPC, qui se vante d'être au pouvoir et de vouloir le conserver, devrait également assumer le fait que leur gouvernance, bientôt quarantenaire, est une gouvernance médiocre. Et, encore une fois, vous avez un malin plaisir à parler du professeur Maurice Kamto. Ça me fait plaisir parce que ça veut dire que vous le scrutez peut-être un peu plus d'ailleurs que vos champions. Mais je vous mets au défi, monsieur Mboutouzé, je vous mets au défi de me démontrer qu'il a été un jour, pas un jour, une seule seconde, votre camarade. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi de démontrer qu'il a une seconde de sa vie battu campagne à vos côtés. Parce que vous avez tellement confondu les choses dans ce gouvernement que vous ne savez pas qu'on peut être membre du gouvernement sans être membre du RDPC. D'ailleurs, il y a même des exemples au sein de votre gouvernement qui n'arrivent pas à vous parler. Parce que je ne pense pas que M. Bello Bouba ou
M. Issa Tiroma ou même M. Momo Jean de Dieu aient changé de parti politique. Ils sont pourtant membres du gouvernement, mais ils ne sont pas du RDPC. En ce qui concerne le professeur Maurice Kamto, ses désaccords avec la conduite des affaires publiques au Cameroun étaient connus depuis au moins 1987, depuis la critique de l'idée sociale chez Paul Biya. Une œuvre critique qu'il avait faite à la demande du professeur Mononjana. Okay. Par la suite, l'urgence de la pensée, par la suite, la fameuse campagne électorale de 1992 où il a été du côté de l'Union pour le changement. Ces désaccords étaient connus, mais sur la base de ce qu'il y a le gouvernement d'une part et le pays d'autre part, il a dû faire le choix douloureux et cornélien de servir le pays, même si il servait ce pays-là dans un gouvernement médiocre et criminel comme celui qui a assassiné le Cameroun en 2008. Merci beaucoup, Maître Diou. Ouais, rapidement, on arrive au terme. Serge Alain, Maître Diou essaie de se battre comme il veut. Tout ce que je voudrais dire au Cameroun ce soir, c'est que Maurice Kamto était un élève de Paul Biya. Il a été un mauvais élève de Paul Biya. Et tout ce qu'il cherche, si Maurice Kamto est même président aujourd'hui, on ne parlerait pas d'alternance. Hein. Ça ne sera même pas de l'alternance. Parce que c'est un mauvais élève qui ne cherche qu'à remplacer son patron d'hier. C'est un mauvais élève. Point final. Merci. Battez-vous comme vous voulez au MRC, mais ça n'enlèvera pas que Maurice Kamto n'est pas un opposant de l'alternance comme les autres. C'est juste un mauvais élève qui est sorti de sa classe et qui pense qu'il peut combattre son enseignant. C'est tout. Et comme d'habitude, le RDPC croit qu'il peut choisir à la place du peuple camerounais les bons opposants. Au point où on... Vous savez, quand on dit que quand votre adversaire vous critique, ça veut dire que vous faites du bon boulot. S'il merci, vous caresse dans le sens du poil. Voilà, merci Maître Roland Diou. Merci à vous également, Joseph René Mboutouzé. Merci. Ça a été laborieux du côté de Yaoundé. Merci tout de même au docteur Tuidolinké ainsi qu'à Denis-Emilien Atangana. Madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Équinoxoir. Bonsoir, Babété.